Penso mica, No, ma anche io. in più si ha bisogno della distanziazione sociale, la scena di Sinedrino, dei Juif. Dico. Perché sono combien? Sono beaucoup là, la ZTC. Erano parecchi, eh. E un po' più. Che Con i capelli. c'è? Ulo! I capelloni, diciamo E beh, servono per distanziare i capelloni. ormai. Ma proprio possono essere utili per il distanziamento sociale, On va essayer de faire comme on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la chose le plus sérieusement possible, en pensant que c'est pratiquement ce soir qu'on joue. Ça va Miguel, ça va Miguel, ça va Miguel. À pas ça, hein. Ouais. Non mais peut-être ça va mieux à toi. Ça va mieux par rapport à le physique, peut-être. Regarde. Voilà, tu vois que ça va venir mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et ils connaissent même le texte. Attendez, regardez. Bon, alors, si aussi Jésus, fils de Joseph, ou Mankara, n'a pas de métier, nous sommes. Non, tu la sais pas, tu la connais pas. Tu te l'as écrite, mémoire. Voyons si tu te souviens. Et quand même. Allez, vas-y. Stomu. Croyez-vous qu'il a raté un fils de Dieu et un messia? Ah, eccolo lì, eh? 23 testimoni della vostra vita. Allora ti tocca un po' di una benedenza collettiva. Vi ricordate quello? Mi senti? Fate che un po', aiutate, che so anche non leggono più. Aiuto io so che abbiamo conosciuto per ogni passione e io l'avevo scoperto tante ente sferente che si sono tenute e che si danno sempre cari, come li posso scordare. Mi senti? Puoi rispondere. Ascolta, io non voglio che piace un Sanedrino. È un procuratore manchello. Basta che tu dica che tu si dia vite e sarà sparmiata la tua vita. Allez, tu plonges un peu là, Allez, una cosa un po' più divertente, vas-y, Jean-Pascal. Eh ben moi je me souviens, bon c'est un peu glauque aussi, hein, mais je me souviens, on avait fait une entrée sur scène avec les juges, le jury juif, comme ça, et on était accroupis parce que la scène était dans l'oratoire, ça formait une grande croix. Et on était accroupis comme ça, et j'avais Jean-Seb Orsini qui me disait depuis 2 heures, hein, j'en peux plus de ce bouton sur le front. Pendant 2 heures, il m'a gonflé avec son bouton sur le front. Jean-Seb, arrête un peu, on s'en fout de ton bouton. On rentre sur scène, on s'assoit, on était assis tous ensemble comme ça. Et quand on s'assoit, je me retourne vers Jean-Seb, et lui s'était gratté ce fameux bouton, et là, il avait le visage en sang. Il avait du sang partout, il ne savait pas. Il disait, d'acheter, ou comme ça. Et au moment où je me vois, donc je pars à rire, j'essaye de me contrôler, il y avait le roi des Juifs, c'était Jean Témir, qui me regarde. Lui, je ne sais pas pour quelle raison obscure, imagine que mon rire veut dire « Jean Témir, tu as la braguette ouverte ». Donc il se lève, il se retourne, et comme ça...
Francesco. Je me rappelle, moi j'avais Ivas, tu vois, donc j'avais la torche noire longue à gousy, et je montais trois marches avec la main droite à la main à pied, c'est ça, et gousy, et à Yabour, il m'étimait dans ta main, et pourquoi nous, on dit gousy, pèse au gab, et qu'il y avait un gapo, donc on fout un gab, gousy. Alors, ça me donnera, faut chier à gousy, etc., à Madagascar, tu vois. Et puis, bah, c'était mort de rire, tu peux pas rire devant tout le monde. Heureusement qu'on a fait, c'était en répétition, c'est un bruit dans tout le tribunal, et c'est ma rire, c'était de tout là. Qu'est-ce qu'on a pu rire? Moi aussi, il y a un grand souvenir aussi, c'est après, quand on remontait du parc du monument aux morts, complètement congelé, parce qu'on répétait jusqu'à 1h30 du matin, en plein mois de février, je me souviens, quand on arrivait ici, on tremblait, il y avait les beignets de Marianne qui nous attendaient, et le téchou. Mentre anni e anni ha sfidato la legge di Usoprano e di Lombi. Per questo per un trapano. E un peggio è che il fratello è il suo figlio dell'onnipotente omicidio. State a sentire tutti, so che l'avevo tu stomaco di Dio. A dici, oramai vi darei tu figlio di Lombi, pusendo la diritta di un padre e andando ante l'immaginista. Oramai! Vi darei tu figlio di Lombi, pusendo la diritta di un padre. E andare a te lì, mi dice, fu che le fa smottina. E fu che vuoi fare, mi dice, parce que là, c'est te, on écoute, puis après, donc ça peut pas monter. Il faut que la sauce se prenne et que ça monte comme il faut. Ok? Donc je vous ai fait venir ici parce que pour vous dire justement que même si cette année on n'a pas pu faire une vanina de passion, on la fera peut-être l'année prochaine, n'est-ce pas? On a la matière. Oui, mais par contre on a éliminé la scène du synédrine. Ah oui, voilà, c'est ça qu'on doit vous dire. Oui, parce que c'est trop long. Vous savez que pour la question du confinement, on doit faire des trucs un peu plus serrés. Il ne peut pas être plus de numéro de personnes sur scène. Donc peut-être qu'on prendra que Michel pour faire les trucs. De quoi? Non, pour le confinement. Il ne faut pas les couper. Non, mais écoutez, attends. Ça suffit Pilate. Lui, il va da Pilate et dit « Allez, meurs !» Non, mais il ne faut pas le prendre comme ça. C'est la casa longue, occhio anche. Non, mais il ne faut pas prendre comme ça. C'est pas le truc qu'elle... Moi je suis pas, mais je suis. Oh, Santa. Je t'avais dit qu'il fallait mettre un peu de diplomatie dans ce truc. Oui, mais en même temps, regarde, on s'est gagné du temps. On a gagné du temps, c'est vrai. Hein. En coupant, ouais. On a gagné combien? Une vingtaine de minutes au moins. Un quart d'heure, minutes de spectacle. Un quart d'heure, sûr. Qui est pour la combinazione? Voglio che non muoio, chi sto?